Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon frère, ma sœur, bonne fête de la Sainte Trinité en ce matin. Je te souhaite un très 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 bon dimanche, toi et les membres de ta famille. Même si tu es seul, même si tu habites seul, je te souhaite un excellent et un merveilleux dimanche. Et à toutes ces personnes, toutes ces filles et ces garçons qui vont fêter leur communion ce matin, leur première communion, je vous souhaite la joie de Dieu dans votre cœur en recevant le pain venu du ciel, en recevant Jésus-Christ dans vos cœurs et dans vos corps. Alléluia. Alors nous avons un Dieu unique, mais qui est Père, Fils et Esprit Saint. Alléluia. Et j'aimerais vous lire cet extrait de la première lecture de ce jour. Moïse dit au peuple d'Israël, « C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir toi et tes fils bonheur et longue vie sur la terre que je te donne, que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. » Parole du Seigneur Tout-Puissant. Alors c'est la deuxième lecture qui bénit ma vie, qui bénit mon âme en ce matin. Nous allons la lire entièrement. Romains 8, versets 14 à 17. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Oh mon frère, ma sœur, quelle joie pour nous d'être des enfants de Dieu. Quelle joie pour nous d'être des fils du Dieu bien-aimé. Quelle joie pour nous d'avoir part à l'héritage divin et éternel. Quelle joie pour nous d'être des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Quelle joie pour nous d'hériter du salut et de la vie éternelle. Alors en ce matin, en cette fête de la Sainte Trinité, je veux que tu élèves cette prière que Jésus nous a apprise. Cette prière qui parle du Père. Cette prière qui est une prière communautaire, une prière universelle, une prière de tous les enfants de Dieu. Et qui parle du Notre Père. Alléluia. Et nous allons la chanter. Nous allons la chanter. Tu vas la chanter ce matin comme jamais tu ne l'as chantée. Tu vas parler à ton Dieu, à ton Papa qui est dans le ciel, mais qui est également dans ton cœur. Et tu vas l'adorer en ce matin. Oh, merci Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Alléluia, il est notre Père, il est notre source, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes comme lui, nous sommes comme lui. C'est pourquoi David dit dans le psaume 8, vous êtes des dieux mais vous mourrez comme des hommes. Abba Père, Père merci de nous avoir créés à ton image et à ta ressemblance. Merci de nous avoir mis au-dessus de toute ta créature. Merci de nous avoir configurés à ton Fils Jésus, car nous sommes le corps du Christ et Jésus est la tête du corps. Ô Père, comment ne pas te remercier? Jésus-Christ, sauveur du monde, de l'humanité, comment ne pas te remercier? Saint-Esprit, qui est l'âme de l'Église, comment ne pas te remercier? Ô merci Dieu, Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, à toi louange, honneur, gloire, nous te bénissons. Et que tu n'as pas cet amour paternel, si tu vis et que tu n'as aucune affection autour de toi, je te demande de te tourner en ce jour où nous fêtons la Sainte Trinité vers ce Dieu qui n'est qu'amour, vers ce Dieu qui n'est que Père, vers ce Dieu également qui s'identifie à une mère, qui dit que même si une mère abandonnait son enfant, que lui, il ne nous abandonne jamais. Il a plus d'amour que ton père devrait avoir pour toi et ta mère devrait avoir pour toi. Alors confie-toi à lui, confie-toi à ce Dieu. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur fasse luire sur nous sa lumière, que le Seigneur nous éclaire davantage dans notre marche d'enfant de Dieu. Que le Seigneur nous aide à discerner le mal et le bien. Que le Seigneur nous aide à marcher selon la conduite du Saint-Esprit tous les jours de notre vie. Que le Seigneur nous garde sur ses chemins. Que le Seigneur nous aide à méditer sa parole et à l'accomplir. Que le Seigneur nous garde dans son amour. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à tout le monde.